C'est parti. C'est parti. Allez, merci Jacques pour avoir accepté notre invitation pour cette workshop. Ça nous intéresse beaucoup écouter un peu sur la musique française, sur aussi un peu votre parcours au niveau. On peut se tutoyer ici? Ben, je veux, oui. D'accord, ok. Sur ton parcours dans la musique, avec le Brésil, ton travail aujourd'hui, bien sûr, et aussi après, si on peut parler un peu sur donc la musique française, un peu, petit peu sur des artistes que tu conseilles, que tu peux nous conseiller. Et aussi, c'est vrai que tu as habité aux États-Unis, donc tu parles anglais très bien, portugais aussi, comme ci, comme ça. Donc un peu si on peut parler sur apprentissage de langue, une fois que voilà, c'est notre sujet ici. Ok. Et voilà, c'est un peu tout ça. Super, c'est parti, on y va. Tu veux que je raconte mon histoire alors, c'est ça? Ouais, peut-être. Ok, bon. Présentation. Bon, d'abord, merci pour me faire participer de ce programme. J'espère que je ne vais pas faire de faux de français parce que je ne parle plus trop en français, juste quand je parle avec mes parents au téléphone. Donc voilà, on va se mettre en mode français. Je suis né à Lyon. En fait, je suis né à Tassin-la-Demi-Lune. C'est dans la banlieue de Lyon, juste à côté. Personne connaît Tassin-la-Demi-Lune, mais la plupart des gens connaissent Lyon. Bien sûr. Donc voilà, mon père est catalan, donc ce nom Figueras pour les Français, et ma maman française, française de souche, Raymond. Hein. D'accord. Toute ma famille, c'est des ingénieurs, et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire de la musique. Et rapidement, je pense que vers 16 ans, 17 ans, j'ai adoré la musique brésilienne. Et un jour, quand je faisais un examen au conservatoire à Lyon, en fait à l'école de musique de Villeurbanne, c'est une ville à côté, mais on va pas Lyon, il y a un chanteur brésilien qui m'a dit qu'il avait besoin d'un bassiste pour la fête de la musique. La grande fête de la musique qui passe en France le 21 juin. Si vous allez, oh, tu vois, ça va, on va mélanger. Si vous allez en France le 21 juin, il y a une fête énorme dans tout le pays qui s'appelle la fête de la musique, qui est sympa. Et du coup, je pense qu'il m'a appelé le 17 juin pour faire la fête de la musique le 21 juin. Donc j'ai appris la base de la musique brésilienne en 3 jours. Donc j'ai rien appris du tout en fait, mais j'ai réussi à faire impression pour ce concert de la fête de la musique. Et après ça, du coup j'ai adoré toute la culture brésilienne. J'ai fait comme les Français qui tombent dans la musique brésilienne. J'ai fait un peu de capoeira, ridicule. Enfin bon, je me suis mis à apprendre plein de trucs. Et un jour, il a fallu que j'aille au Brésil. Il a fallu que j'apprenne le portugais. Parce que je traînais avec les musiciens brésiliens, mais je ne comprenais rien. Ça faisait blablabla, blablabla. Comme vous, quand vous voulez apprendre le français, au début, on n'arrive pas à couper les mots. Donc ça faisait un grand blablabla, blablabla. Et un jour, une amie m'a donné un livre, une méthode qui s'appelle la méthode A6000. Et ça a été le début. Je suis allé jusqu'à la leçon 12, en fait. Et après, je suis allé à Rio pour une semaine. Et là, en revenant de Rio, j'ai réussi à couper les mots. Je comprenais encore pas grand-chose, mais tout d'un coup, j'arrivais à ah, plage, praia, ok les gars, feijão, opa, feijão, j'arrivais à couper les mots. Et après, bon, je suis retourné en France pour plein d'histoires que je raconterai seulement sous la torture, qui font que je suis aujourd'hui au Brésil. On est ici à São José dos Campos, D'accord. et ça fait 12 ans maintenant que j'habite au Brésil, et j'adore ça. J'adore les gens, j'adore la culture. Enfin voilà, je suis super content ici. C'est ça mon histoire en gros. Et aujourd'hui, je vis de production musicale. Enfin, je vis dans le milieu de la musique. J'ai rencontré plein de gens qui étaient mes héros quand j'habitais en France. C'est top. Enfin, voilà. Génial, génial. Ok, bah, donc, qu'est-ce qu'on pourrait parler un peu par rapport à la musique française, ou peut-être même un rapport entre musique française, musique brésilienne, qu'est-ce que Ah, peut nous super. intéresser? Ok. Bon, la France, je pense que traditionnellement, on reçoit super bien la musique brésilienne. Quand Gilberto Gil est devenu ministre de la Culture, par exemple, pour nous, ça a été ouh, super cool. Il y a plein de musique qui passait à la radio et à la télé. À l'époque, je ne comprenais rien.
Et je genre ton ami la Bayane, Kideojde, Okideojda, ça en français, personne comprend. Qu'est-ce qu'il a dit là? Donc c'était assez rigolo. Je me souviens même plus qu'est-ce que j'écoutais à l'époque, mais bon. Il y a Chico Buarque a fait une musique pour Schweppes, une marque de tonic. Et c'était Essa Moça Tá Diferente. Et ça aussi, ça a été un succès énorme en France. Caetan Veloso est une star gigantesque. Carly Osband, Lénine, est un musicien brésilien qui fait un énorme succès. Donc la musique brésilienne en France, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis super longtemps. Il y a quelques chanteurs français qui ont traduit des musiques brésiliennes en français. Le gars que j'adore, c'est Claude Nougaro. Vous avez besoin de connaître Claude Nougaro. Il a pris la musique Que Será de Chico Buarque. Il a fait une version qui c'est Ah, tu verras, tu verras. Ah, tu verras, tout recommencera. C'est super. Il a fait une autre chanson. Il a repris Berimbau de Baden Powell en français. Et ça s'appelle Brésilien. Les paroles sont top. Enfin, tout de Claude Nougaro, c'est top. Il s'est beaucoup inspiré du jazz et le jazz l'a amené à la musique brésilienne. Il y a un autre gars qui s'appelle Pierre Vassiliu qui aussi a repris une chanson de Chico Buarque qui a été un hit mais donc pendant super longtemps. C'est comment elle s'appelle cette chanson? Ça va revenir. Ça va revenir, je vous le redis dans quelques instants. Enfin, il y a pas mal de gens. Ah, il y a aussi. Ah, caramba! O cara lá de Saint-Étienne, Lavilliers. Il y a aussi un autre chanteur qui a une relation énorme avec le Brésil qui s'appelle Bernard Lavilliers, qui est un gars de Saint-Étienne, juste à côté de Lyon, et qui aussi a fait pas mal d'albums en français sur des musiques brésiliennes. Donc il y a cette relation entre les deux musiques qui fonctionne très bien. Et tu m'as demandé de séparer des gens que j'aime en chanson française. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire connaître aux Brésiliens Ok. de la bonne musique française? Bon, déjà, la base quand vous allez écouter de la chanson française, le rythme va vous manquer grave. La chanson française, c'est un peu chiant. Au niveau du rythme, chiant, c'est. Faut mettre un truc dessus, c'est un gros mot, faut pas le dire. Donc, la musique française, c'est super intéressant pour les paroles, beaucoup. Au niveau du rythme, c'est pas toujours très intéressant. Quand on est brésilien, on aime beaucoup le rythme. Donc je sais que c'est un peu difficile pour vous. La chanson française, c'est pas trop dansant, quoi. Ça bouge pas trop, Ça quoi. bouge pas trop. Mais les paroles, c'est génial. C'est vraiment super bien. Donc moi, j'adore un gars qui s'appelle Georges Brassens. Quand je montre ça à ma femme, elle me dit, mais c'est quoi ce gars-là avec sa moustache et tout, c'est chiant. Mais sauf que les paroles, c'est génial. Des fois, j'écoute ça, je pleure. Georges Brassens, c'est top. Il a une chanson qu'il faut que tout le monde connaisse, c'est Les copains d'abord. Ça, il faut connaître. Copain d'abord. Les copains d'abord, ça fait. Non, je vais pas chanter, mais vous écoutez les copains d'abord. Mets un bout de YouTube des copains Ça marche. d'abord. Ok, je C'est vais couper super. là. Hop. Bon, il y a Brel, Jacques Brel, qui en fait est belge, Jacques Brel. Okay? Jacques Brel n'était pas français, il était belge, mais comme il a fait plein de succès, les Français on l'a pris pour nous. Jacques Brel, on connaît Ne me quitte pas, enfin, Le plat pays, la musique de Jacques Brel, c'est fantastique. D'accord. J'adore Léo Ferré. Ferré, Léo ouais. Ferré, il y a une chanson qui est Di Corta aos Pulsos, avec le temps, il dit que avec le temps, tout s'en va, tout nous va embora. C'est vraiment à pleurer, c'est génial. Qu'est-ce que j'aime encore? Ah, je suis en train de devenir vieux, et je commence à avoir des goûts de vieux, et du coup, j'adore Charles Aznavour. D'accord. C'est un truc que quand on est jeune, on fait Charles Aznavour, c'est chiant. Je jouais ça à Paris, Charles Aznavour, dans un cabaret qui s'appelle Les Trois Maillets. Cabaret. En France, c'est pas pour les filles le cabaret, c'est un club en fait, C'est un café-concert et de danse, enfin un ouais, peu. il y a plein de choses qui se passent, mais il y a aucun, ça n'a rien à voir avec le cabaret que vous avez au Brésil, ok? C'est un faux ami C'est alors. ça.
Et donc ce cabaret, c'est très très connu à Paris, qui s'appelle Les Trois Maillets. Je jouais là-bas de minuit à 5 h du matin. Et donc on faisait beaucoup de Charles Aznavour. Et quand je jouais ça à l'époque, je trouvais ça super relou. Relou, c'est du verlan. Tu as expliqué aux gens qu'est-ce que c'est le Pas verlan? à tout le monde, mais On va on faire un peut parler un spécial peu. verlan alors. Allez, ok. Donc à la fin, on fait un spécial verlan. Mais maintenant, je réécoute ça et ça me rappelle en fait. C'est marrant parce que comme je suis loin de la France, Hein? j'ai aucune sardage de la France. La France me manque absolument pas. Juste ma famille, de temps en Oui, temps un peu de fromage. ça c'est clair. Le vin, peut-être. Ouais, le vin, ça va, je vis sans. D'accord. Mais de temps en temps, je me dis, ah, la France me manque, et je mets une musique de Charles Aznavour et je pleure tout seul dans mon lit, un truc ridicule. Mais c'est ça, ça me. Mais sinon, normalement, ça va. Mais D'accord. le Brassens, Aznavour, c'est une image de la France, et les mots, ça me rappelle des choses, ça me rappelle mes parents, en fait. Donc voilà, je pense. Enfin, et alors, il y a tout le monde en ce moment qui connaît Zaz, il y a plein de gens. Voilà, ouais, j'allais demander pour le public jeune qui aime, enfin de si on s'il y a des artistes qui sont disons des Plus pop, nouveautés, ouais, plus ouais. pop pour Zaz, ce c'est des. moment, Alors Zaz. Zaz, tu sais qu'elle est sortie, elle chantait aux Trois Maillets, le cabaret où je jouais. Là. Juste après, en fait, quand moi je suis parti au Brésil, elle est venue, elle a commencé à faire carrière dans cet endroit. Donc, oh. Jic. Et Zaz, oui, Zaz, c'est super. Franchement, je sais pas trop, je connais pas, je connais que les deux chansons qu'elle a, Je veux et je sais pas ce que c'est l'autre. Donc ça c'est Zaz. Ok, Elle a des Zaz. versions qui sont sympas. Ouais. Après, Camille, Ah, ça te dit? Camille, Camille ouais. c'est top. Hein? Camille c'est top. Super, Camille, excellent. J'aime bien, ouais. Ah, il y a un autre gars que pas mal de Brésiliens aiment bien, Francis Cabrel. D'accord. Il a des trucs un peu country, sertanejo, blues. Francis Cabrel c'est sympa. Mais en fait, je connais pas grand-chose de musique française aujourd'hui. D'accord. Donc je suis pas quand je vais en France que je vois mes neveux et ma nièce qui me disent ah c'est ça que j'aime. Alors déjà ma nièce la dernière fois que je suis allé en France, je lui ai demandé qu'est-ce que t'aimes, elle me fait Michel Teló. D'accord, Non, c'est pas possible. Donc déjà les Français ils aiment la même chose que partout quoi. Déjà donc je suis un peu il y a le rap français qui m'intéresse. Ah il y a MC Solar. Si vous aimez bien le rap et si vous aimez les beaux textes, MC Solar. d'accord. Mais un bout de YouTube de MC Solar, Très bien, c'est on va faire ça. sympa. Mais sinon, je suis un peu un vieux. Très bien. Je suis un peu un vieux schnock. Donc, j'ai des goûts de vieux, en fait. Je Ok. suis pas mal. Non, Ma mais ça réalité va très musicale, bien, c'est la réalité du Brésil. Aujourd'hui, ouais. je connais beaucoup plus Annie, Talo Jimmy, là, ça, je connais, sous, hein, Dominicon. Mais je connais beaucoup plus la réalité de ce qui se Oui, passe c'est ici clair. que j'écoute la radio très peu. En France, donc voilà, je peux Non, pas mais aider. ça, franchement, ça a été parfait. C'était ce qu'il fallait. Après, est-ce qu'on peut parler un peu sur l'apprentissage des langues? Ah, ok. Et aussi, je sais pas si la musique peut aider dans ce sens-là. Je vais être sincère avec toi. Ouais. Moi, j'ai pas appris la langue, le portugais ou l'anglais avec la musique parce que je trouve que c'est super difficile. D'accord. Ok. C'est super difficile parce que souvent, si tu apprends avec Vinicius de Moraes, tu as des images, c'est un niveau de langue que je trouve assez Ah ouais. compliqué. Ah oui, c'est vrai, Et c'est vrai. jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que je ne comprends pas toutes les subtilités de cette langue-là. Donc moi, ce que j'aime, ce que je vous conseille, c'est rencontrer des gens et parler avec des autochtones, des Français. Donc, deux conseils. Pour apprendre une langue, un, c'est ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de parler mal. Au début, tu vas parler mal. Ouais, c'est C'est clair. clair. Si tu apprends, si tu attends de parler comme Molière pour aller en France, c'est ta ferrade. Non, tu vas commencer à parler et tu vas faire tes erreurs. Et avec tes erreurs, tu vas voir la réaction des gens. Tu vas ah, c'est pas comme ça que j'aurais dû Ouais. parler. Tu vas écouter ce qu'ils te répondent et tu vas corriger. C'est comme un ordinateur qui s'auto-corrige et tu vas. Et là, tu vas commencer à parler français. Donc déjà, un, c'est ne pas avoir peur et parler, 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 même quand c'est t'as tout des rades, ça sort de n'importe quelle manière, mais il faut parler. D'accord. Okay? Et la deuxième, le deuxième conseil, c'est d'aller dans le pays.
C'est top, quoi. Alors, si tu peux pas aller dans le pays, parce que tu n'as pas les sous, amène le pays à toi. Comment tu fais? Tu vois des vidéos sur YouTube, tu vois des vidéos de films, tu vois TV5. TV5, c'est top. Au début, je comprenais pas, c'était en français avec des sous-titres en français. Et je me disais, pourquoi? Et en fait, non, si jamais tu veux apprendre la langue, c'est top. Tu lis le truc, tu lis le sous-titre et t'écoutes le mot et tu fais, ah, c'est comme ça qu'on dit ce mot-là et tout. Donc, Du coup, ça TV5, vient déjà partagé. Tu auras eu ça, pas ce on problème. découpe la langue. Et ouais, c'est top. Donc, c'est comme si tu veux apprendre anglais, tu Ouais. arrêtes de voir les trucs doublés, quoi. Il Ouais. faut voir l'agenda avec la sous-titrée, on dit en français. Donc, si tu ne veux pas aller au pays, amène le pays à toi, écoute de la radio, écoute des vidéos sur YouTube, écoute TV5, va voir des films, va voir des pièces de théâtre, enfin, respire la France, quoi. Amène la France à toi. La France, le Québec, l'Afrique, Suisse, la Suisse, Belgique. enfin, quand les gens pensent francophonie, ils pensent juste à la France, mais c'est tellement grand. Donc, il y a plein de choses. Même en Amérique du Sud, hein, la Guyane, d'ailleurs, Ah oui, la Guyane, c'est la c'est France. vrai. D'ailleurs, c'est la plus grande frontière de la France, c'est avec le Brésil. Vous savez ça? Ah non? Ouais. 580 km, c'est entre le Don, enfin, c'est la Guyane et le Brésil. Ah, Voilà. sympa, je ne savais pas ça. Et ouais, et oui, la France, malheureusement, a colonisé plein de gens. Malheureusement, parce que c'est un truc dont j'ai aucune fierté. Mais enfin, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez apprendre à parler français, bon, la France est super, mais vous pouvez aller aussi au Maroc. Vous pouvez aller à Montréal. Vous allez apprendre le français avec un accent québécois. Mais c'est charmant. Voilà. Donc, enfin, il y a plein d'endroits où aller. Donc voilà, donc le truc c'est ne pas avoir peur, quoi. Ne pas avoir peur et s'imprégner de culture au maximum. Génial. Si on faisait de balou là-dessus, je tout nous bien. Bon Jacques, merci beaucoup. Mais de rien. C'était un grand plaisir. Ouais, j'aimerais remercier publiquement pour cette interview. C'était vraiment sympa. Et j'espère qu'on puisse se revoir dans des Mais oui. vidéos par rapport au français, la musique, etc. Pas de problème. Et mets à ton public cette chanson Toulouse de Nougaro. Ok. Parce que vous allez adorer. On va faire une C'est vraiment analyse. très très bien. Donc Nougaro, il est de Toulouse. C'est un Toulousain. La ville rose. Toulouse, c'est la ville rose parce que les pierres des bâtiments sont de la couleur rose. Et quand le soleil se couche, il y a ce reflet rose. Donc il appelle ça la ville rose. Noé qui est à todo mundo. Não é o que você pensa, a ville, a cidade cor-de-rose, não é o que você pensa, é por causa da pedra. Tá? Et la musique, cette musique qui raconte toute la culture du sud, c'est vraiment top. Donc ça, j'adore cette ville. Bon, merci. Génial, merci À Jacques, bientôt. à bientôt. Salut.